Oh, Jaja, y a pas moyen, Jaja. Je suis pas ta cata, Jaja. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo Kongosa pour changer un peu. Oui, c'est vraiment une vidéo Kongosa, j'ai l'habitude de les faire en voix off. Aujourd'hui, ça faisait tellement longtemps que je me suis maquillée. Aujourd'hui, j'ai pris la peine de venir, je me suis maquillée, j'ai fait mes petits caca de poule comme on dit chez moi. Voilà, je suis maintenant là devant vous. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Niska et Aya Nakamura. Oui, si vous n'êtes pas en courant, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous venez aussi juste d'arriver, n'hésitez pas de liker cette vidéo et de partager aussi et de vous abonner. Et oui, bientôt les 17K, franchement, juste happy, happy, happy. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire sérieuse, sérieuse. En plus, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Donc, je vous souhaite à toutes bonne fête de la journée de la femme. La blogueuse qui a publié mercredi une affaire que Aya Nakamura s'est fait ça mal par Niska. Donc, avec des photos et tout, franchement, je vais vous mettre des petites photos flash, vous verrez un peu l'histoire, vous comprendrez un peu mieux. D'abord, pour commencer, c'est qui? D'abord, on va parler un peu d'Aya Nakamura et de Niska d'abord, pour que vous puissiez voir un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Aya Nakamura et qui est Niska. Donc, Aya Nakamura, chanteuse de la chanson à Jaja. Voilà, la chanson à Jaja, tout le monde en a entendu au moins une fois dans sa vie. Oh, à Jaja, il n'y a pas moyen à Jaja. Et le chanteur Niska, la chanson Réseau, qui chante aussi. Et Machu Nishao. Bendona Bendo. En fait, la chanteuse Aya Nakamura et le chanteur Niska seraient en couple depuis quelques mois. Pour ceux qui ne savent pas. Mais leur couple n'était pas encore vraiment officiel. Ils n'avaient pas encore officialisé leur couple devant, on va dire, devant un peu tout le monde, quoi. Donc, apparemment, qu'est-ce qui s'est passé pendant leur relation? Niska, voilà, faisait ça dur toujours à Aya Nakamura pour un oui et pour un non. Que dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle en avait vraiment marre. Elle a décidé de le quitter. Et pourquoi? C'est quoi la raison? Apparemment, la raison, c'est ce que j'ai entendu, je n'ai pas inventé. Apparemment, la raison de la dernière pour qu'elle ait une œil fermé. Apparemment, Aya Nakamura, elle serait tombée enceinte de Niska. Et Niska ne voulait pas de l'enfant, il voulait qu'elle avorte. Et Aya Nakamura ne voulait pas. Et Niska, il a pété un plomb. Et il a boum direct dans l'œil. Et Aya Nakamura s'est retrouvé l'œil boum fermé. Voilà l'histoire, ce qui s'est passé vraiment. De toute façon, ni Aya ni Niska, personne n'a encore réagi depuis 2 jours à cette histoire. On attend un peu la suite de ce qu'ils vont dire. La blogueuse qui a discuté avec Aya Nakamura par message lui a posé des questions que j'ai fait faufiler si je vous avais vu sur ma vidéo. Elle n'a pas vraiment démenti aux questions de la blogueuse. Elle l'a répondu par des petits smileys de piment. Oui, c'est son petit code secret. Piment. Moi, bon, je cherche le mien d'ailleurs. Parler avec vous. C'est ça l'histoire qui s'est passée. On attend la suite de l'affaire sur la réponse de Machu Nicharo et de Adjaja. C'est tout pour le moment.